Yo, what's up la team, j'espère que vous allez bien, les gamers et les gameuses, vous êtes avec Maxilar, on se retrouve sur Forza Horizon 5, comme tous les jeudis, nouvelle saison, bien sûr, toujours dans ce nouveau championnat étoile d'Apex, Apex All-Stars, championnat 33. Nous avons passé la saison été, bien évidemment, on arrive dans la saison automne, et on va voir ce qu'on a pour cette saison. Une chasse au trésor et un défi photo. La chasse au trésor, clin d'œil au Zenvo. Ces voitures danoises ont la classe. Direction Océano Azul. L'objectif est clair. Décrocher 3 étoiles une fois cette mission accomplie. À vous, les lingots d'or. Et vous l'avez compris, du coup, on va partir dans les voitures et on va sélectionner la marque Zenvo. Tout en bas, bien sûr, Z. Et là, on va sélectionner soit la ST1, soit la TSR-S. Et bien sûr, nous, on va prendre la petite TSR. Et la voici, c'est parti. Petite particularité de cette Zenvo, c'est qu'on a un aileron dynamique qui va suivre la direction des roues, l'inclinaison de la voiture, voilà, pour aider la voiture à tourner. Et aussi, bien sûr, en accélération, il va se mettre à plat pour un maximum d'appui. Et en freinage, il va servir aussi d'aérofrein. Voilà, comme vous pouvez le voir. Petite particularité de cette Zenvo. Avec ce magnifique autocollant autobag, petit livret sympathique qui lui va très bien. Et du coup, on part sur notre carte, bien sûr. Et on nous a parlé de Océano Azul, et plus précisément d'un radar. Et il est là, juste à côté de notre résidence principale. Ça tombe bien, le radar d'Océano Azul. Il faut passer en 3 étoiles, on nous a dit. Donc 3 étoiles, ça veut dire plus de 362 km/h. Et ben c'est parti. Et allez, du coup, on va prendre un peu plus d'élan. Je suis pas sûr qu'on arrive tout à fait à plus de 360 km/h. Donc, on va se remettre près de notre résidence principale. Et on est reparti. Ah, c'est tellement marrant, ce petit aileron dynamique qui suit l'angle de la voiture et qui nous aide à tourner. C'est ce qui rend cette Zenvo qui a pas vraiment un châssis phénoménal, très spectaculaire. Et allez, on a passé à 365 et le défi trésor est terminé. Première étape de cette chasse au trésor validée, vous avez pu le voir. On n'a plus qu'à reprendre notre carte pour voir l'emplacement approximatif du coffre. Est-ce qu'on a une info? Où est la zone de recherche? C'est pas au nord, c'est à l'est, ok, c'est près de Playa Azul. Et ben on va directement se téléporter à proximité. C'est parti. C'est tellement marrant cet aileron. Tellement marrant cet aileron dynamique. Alors, bien sûr, on va reprendre notre sélection de festival. On a maintenant un indice, forcément, sur l'emplacement du coffre. Clin d'œil au Zenvo, trouver le trésor. Ok, d'accord. Il est sous un passage surélevé en bois, au niveau des marais. Donc c'est exactement où nous sommes en train de nous rendre. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver ce passage surélevé. Ok, il est là sur notre droite, le passage surélevé. Et donc, d'après la vignette de la chasse au trésor, il doit se trouver en dessous. Eh oui, on l'a aperçu, c'est bon, il est là. Directement sous le passage. Il est là. On n'a plus qu'à regarder un peu l'emplacement du coffre exact sur la carte, bien sûr, hein, pour vous aider. Au mieux,
dans cette recherche. Et passons à la destruction de ce coffre au trésor. Cette nouvelle saison du championnat 33. Let's go. Et on récupère bien sûr les lingots d'or qui nous parlaient. Ça représente 250 000 CR. Ça fait plaisir. Allez, du coup, la première étape de cette vidéo est déjà terminée. La chasse au trésor est validée. On va bien sûr confirmer avec la vignette qui est goldée. Et oui, elle est bien goldée la vignette, donc c'est bon. Chasse au trésor, clin d'œil au Zenvo, c'est fait. On passe bien sûr au défi photo Carrera at Prospera. Photographier une Porsche Carrera au point de départ du circuit de Tierra Prospera. Allez, on va déjà se rendre sur le circuit de Tierra Prospera. Alors, de mémoire, ça doit être vers là-bas. Ouais, c'est ici, Tierra Prospera. Vous voyez, à droite d'El Stadio, au-dessus de Horizon Street Scene, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. Et voilà, et du coup, le circuit de Tierra Prospera, ça doit être celui-ci, il est bien là. Donc on va se téléporter directement dessus. Et nous voilà au départ de ce circuit de Tierra Prospera. On n'a plus qu'à sélectionner la voiture de l'intitulé, c'est-à-dire une Porsche Carrera. Donc on va aller chercher une petite 911 Carrera. Alors, du moment que c'est une Carrera, je pense que ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle qu'il y a sur la vignette, sur l'intitulé du défi photo. Dites-moi dans les commentaires si ça a marché avec d'autres Carreras que celle qu'il y a sur la vignette du défi photo. Ça m'intéresse. Et nous, du coup, on va aller chercher une petite 911 Carrera 2, la Gunterwerks de 1975. Une grosse préparation sur cette Carrera un peu remodelée avec un nouveau kit carrosserie. Et surtout, une livrée de zinzin. La livrée exclusive performance. Sponsor Yuasa, DC Shoes, Hankook. Que de la belle marque. Et du coup, on va bien sûr placer la voiture élégamment sur cette ligne de départ du circuit. Et on va procéder à la petite photo. Hop, c'est parti, mode photo. On met un petit coup de neuf à la voiture. On va braquer les roues dans le sens voulu, à droite. Et voilà, regardez, elle est vraiment sublime. Il n'y a rien à dire sur les Porsche 911, quelles que soient les années. C'est toujours une réussite, elles sont toujours sublimes. Et on valide cette photo, photographier une Porsche Carrera, prenez une photo au point de départ du circuit de Tierra Prospera. C'est fait, c'est validé. On était au bon endroit avec la bonne voiture. Let's go. Et du coup, bien sûr, on a terminé également ce défi photo Carrera at Prospera. Et bah du coup l'équipe, on est déjà au bout des deux défis de cette saison automne championnat 33. La chasse au trésor, clin d'œil au Zenvo, c'est terminé. Le défi photo Carrera at Prospera également avec cette magnifique 911. Et bah voilà, c'est déjà fini. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, je vous le rappelle à chaque vidéo, mais c'est important, ça aide à soutenir la chaîne, à m'encourager dans ce que je fais, à m'encourager à continuer. Et c'est toujours agréable de voir vos retours, de voir que vous appréciez ce type de contenu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour faire de même, un petit like. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne si l'envie vous prend, bien sûr. On n'a pas que du Forza, je vous le rappelle. Et allez, je vous retiens pas plus longtemps, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Vous étiez avec Maxilar. Ciao.